Alors pour ce projet, vous aurez besoin d'une planche à découper si vous ne voulez pas vibrer votre table, du papier d'aluminium, des ciseaux, des cisailles, des allumettes ainsi que des petites baguettes en bois. En théorie, vous avez besoin juste d'un, mais je vous conseille de prendre une réserve parce qu'il peut facilement s'abîmer. Quand vous avez les bons composants, découpez à un pan de 2 cm de votre rouleau de papier d'aluminium. Quand vous avez fini avec cela, mettez votre bande d'aluminium à plat sur la table. Quand vous avez fini avec ça, prenez une allumette et décapitez-la. Par décapiter, je veux dire que vous le coupez en deux ainsi que de séparer la partie qui a du soufre et la partie où c'est du bois. Car nous, on a besoin juste de la partie avec du soufre. Quand vous l'avez bien décapité, mettez-le sur le bord de votre bandeau d'aluminium et commencez à l'enrouler lentement. Si vous avez mal enroulé votre fusil comme moi, vous avez la moitié qui est du vide. Donc pour ça, ça va être très simple, vous devez juste aplatir la partie vide et après découper le bout, mais en laissant quand même quelques centimètres entre le bout et la tête allumette. Ensuite, avec des pinces, vous devez fermer le bout. Pourquoi avec des pinces? En fait, ça vous allez comprendre après, parce que l'explosion qui va se passer à l'intérieur est quand même vraiment très très forte, et si vous avez mal fermé votre bout, et ben voilà, ça va s'ouvrir et ça va pas partir. Et ça risque de blesser quelqu'un. En tout cas, quand vous avez fermé votre bout, vous devez l'appuyer sur le bord de la fusée. Pour renforcer la structure de votre fusée, vous pouvez aussi mettre le bout de votre fusée dans du Tipex. Comme ça, ça va un peu renforcer le bout de votre fusée. Pour aller encore plus loin, on va faire une plateforme de décollage. Pour ça, vous aurez besoin d'une boîte allumette dans laquelle on va faire un trou. Maintenant, en y insérant la baguette de barbecue, on va pouvoir modifier l'angle de décollage. Vous pouvez le mettre à l'avant, au-dessus ou même en arrière. Même si je comprends pas à quoi ça sert vraiment de le mettre en arrière, sauf si vous êtes un gros suicideur. En 5 minutes, j'ai fait encore quelques allumettes et j'ai rajouté aussi un petit bandeau en papier pour customiser ma boîte. Alors cette boîte est spéciale parce que le grand compartiment fait exactement la même taille que mes fusées. Donc en gros, il n'y a aucun jeu quand je les transporte. Et en plus, ça rend mon collection un peu plus jolie et ça fait aussi un petit fer de sardine. Et je pense que vous avez remarqué, mais il y a aussi un petit compartiment qui est en fait fait pour la mini fusée spéciale Muskust, que je vais bien sûr vous apprendre comment faire dans un prochain épisode de 6 de 30 secondes. D'ailleurs, j'ai collé du scotch résistant à l'eau sur les côtés de la boîte, ce qui les rend plus résistants à l'eau. Alors si vous êtes déjà arrivé à cette étape-là, félicitations, vous avez déjà fini vos fusées. Mais si vous êtes un perfectionniste, il y a encore un truc que vous pouvez faire. Et pour ça, vous aurez besoin d'un carré de papier d'aluminium. Pour commencer, pliez votre papier en 4, puis encore en 2 en diagonale. Maintenant, vous allez pouvoir déplier votre papier, ce qui va vous donner un carré comme ceci. Après avoir fait quelques modifications, vous allez obtenir un pyramide comme celle-là. Après avoir fait un trou à l'avant, vous allez pouvoir y passer la baguette avec la fusée au bout. Comme ça, votre fusée ressemblera à la fusée de Tintin. Mais maintenant, on va pouvoir faire décoller nos fusées. Donc pour ça, vous pouvez utiliser n'importe quel moyen d'allumage. Moi personnellement, j'utilise un Zippo vu qu'il a une flamme assez grande et pas trop chaud. C'est pour ça que vous pouvez pas utiliser de chalumeau parce qu'il va faire juste fondre votre fusée. Pour commencer, prenez un fusée de votre boîte d'allumettes, puis mettez votre baguette de barbecue en place. Ensuite, mettez votre fusée au bout. Et pour finir, placez votre Zippo en dessous de votre fusée. Maintenant, il ne vous restera plus qu'à attendre l'explosion. Et c'est le décollage. Pour ceux qui se demandent, est-ce qu'on peut réutiliser la fusée? Alors non. Parce que bon, essayez de réutiliser un truc comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire une nouvelle fusée plutôt. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo qui cette fois-ci était plutôt longue. Et si tu aimais cette vidéo, tu peux toujours laisser un petit pouce en l'air. Tu peux également partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Tandis que moi je vous dis à la prochaine.